Bienvenue à Cannes, si vous nous rejoignez maintenant avec Charlotte Bouteloup, spécialiste du cinéma ici à Télématin. On va faire un gros plan, évidemment, sur la compétition avec le film qui sera présenté aujourd'hui. Vous en avez peut-être entendu parler. Il s'agit de Rodin, de Jacques Doyon, qui sera présenté à 16h. Compétition officielle. Voilà. Et vous avez rencontré Vincent Lindon, qui est un homme particulièrement apaisé en général, un type très très calme, notre Vincent, qui est là, vous imaginez, il va se refaire les marches après avoir obtenu un prix d'interprétation il y a quelques années de ça, effectivement, il y a 2 ans. Bon, alors vous l'avez rencontré pour il a évidemment travaillé très dur, Vincent Lindon, paraît-il 6 heures pour apprendre à sculpter, reproduire les gestes de Rodin, puisqu'il s'agit du film Rodin. M'étonne pas de lui. Et effectivement, comme le film de Jacques Doyon est tourné en plan séquence, on ne peut pas tricher, on ne peut pas prendre les mains d'un vrai sculpteur. Vincent Lindon a vraiment dû adopter la gestuelle du sculpteur, et en cela, c'est un travail exceptionnel. Je ne sais pas s'il l'explique dans votre entretien, mais c'est bon pour lui aussi. Ce n'est pas simplement pour nous, spectateurs. Parce que pour être dans la peau, et Dieu sait, lui, il rentre dans la peau de ses personnages, il faut qu'il touche. Exactement. Ça n'était pas juste arborer la barbe de Rodin. Évidemment. Et d'ailleurs, il a tellement travaillé que Izia Higelin, qui joue Camille Claudel dans le film, dit de lui, il a tellement bossé, il a tellement sculpté qu'il pourrait faire une expo. 7 heures par jour pendant 6 mois, quand même. Ah oui, parce que la petite Izia fait effectivement Camille Claudel. Voilà, le film ne raconte pas la vie entière de Rodin. Ce n'est pas ce qu'on appelle un biopic. Le film se concentre sur une période de la vie. Nous sommes à Paris en 1880. Auguste Rodin a 40 ans et après avoir été rejeté maintes et maintes fois par les Beaux-Arts, il finit enfin par recevoir sa première commande de l'État, La Porte de l'Enfer, œuvre qui le fera connaître tout comme Le Penseur. Et le film nous fait suivre ce tournant dans sa carrière professionnelle, mais aussi ses relations intime avec ses amis et ses proches. Dans ses proches, il y a sa femme, Rose, et puis il y a sa muse, son ancienne élève, puis sa maîtresse, Camille Claudel, jouée par Izia Higelin. Le film a déjà, même si les festivals vont le découvrir aujourd'hui, certains l'ont vu à Paris. Voient ce matin, à 8h30, oui, ils le voient ce matin, exactement. Ah oui. Et le film monte les marches à 16h30. Et vous pouvez voir ce film dès aujourd'hui, puisqu'il sort en salle en même temps. On a rencontré Vincent Lindon. Ah oui. Bonjour Vincent. Bonjour. Cette fois, je te tiens. Avant de parler du film, un mot rapidement sur le festival. Un an après votre prix d'interprétation, vous y retournez. Avec un tel film, c'est cadeau, non? Non, mais... Et je sais pas si c'est cadeau, mais en tout cas, c'est... Oui, je suis très content et très excité et très fier parce que Jacques Doyon n'a pas été à Cannes depuis 35 ans. Mais oui. Et je me sens investi d'une... Pas d'une mission, mais d'un... Je trouve ça très agréable d'accompagner un metteur en scène, faire partie d'être là dans le moment où il va revivre ça. Et bon, on peut dire ce qu'on veut, qui dit compétition dit excitation. C'est excitant de prendre le départ d'une course. Je ne cherche pas à plaire. Moi, tout ce que je veux, c'est être vrai. Alors justement, Vincent, Jacques Doyon, qu'est-ce que vous évoquez son cinéma? Quand c'est Jacques Doyon qui vient me voir et qui me dit « j'aimerais bien qu'on fasse Rodin ensemble », c'est l'assurance qu'on va éviter le biopic, même s'il y a des biopics qui sont très bien, je ne suis pas fou de sa vie, son œuvre, et une sorte de document sur Internet filmé, une sorte de Wikipédia en images. Là, je savais que ça allait être érudit, que ça allait être vraiment au cœur des choses. Il est dans le cerveau de l'artiste, dans son travail. C'est un film sur le travail, sur les douleurs d'un génie. Vous avez provoqué le dernier scandale du siècle. C'est pressurisant, ça fait peur d'incarner un personnage historique. Oui, moi j'ai jamais eu aussi peur et j'ai jamais été aussi angoissé. Oui, c'est une chape de plomb. D'abord parce que... la peur du ridicule. Alors évidemment, celui qui se risque à faire Rodin en disant « je vais faire un Rodin sans barbe », c'est un idiot. Non, il y a des codes à suivre. Il y a une corpulence, il y a la barbe. Une barbe à faire pousser, c'est pas rien. Ça change une appréhension de la vie. C'est pas la petite barbe de 3 jours. Non, c'est une grosse barbe. Ouais. Et donc ça change beaucoup de choses dans sa vie privée, dans sa vie... C'est un truc, faut se la trimballer. Disons que j'ai un caractère
qui m'a permis de tomber amoureux de Rodin. En fait, je cherchais un mentor, quelqu'un qui me rassure sur le fait que je sois aussi exigeant et aussi emmerdant avec tout le monde. Et je suis tombé sur un Maus costaud. Et tout d'un coup, je me dis, bon, alors donc, c'est possible. C'est exactement comme quand on est petit et que tout d'un coup, vos parents vous disent, mais tu sais que ce monsieur, le président de la République ou le patron de telle boîte, truc, tu sais qu'à l'école, c'était un cancre. Donc on fait, ouf. Alors c'est encore possible pour moi. Voilà, c'est exactement ça. La beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui, on est foutu. Vincent, là, à quelques jours de la projection du film à Cannes, aux yeux du monde entier, vous êtes dans quel état? Vous êtes surexcité, j'imagine, fier. Fébrile aussi, peut-être, un peu. Oui, terriblement fébrile. Mais content, non? Heureux. Oui, tout ça. Tout mélangé. Je suis au taquet. Merci beaucoup. Voilà. Merci Vincent et bravo. Merci beaucoup. Quel drôle de question. Très détendu. Vincent est détendu alors voilà. qu'il va peut-être se réveiller là. Vincent, on l'embrasse. Tout est calme, tout va bien. Grand rôle et grand jour pour Vincent Radon. Et ça sort là. Hein. Aujourd'hui. Merci.